Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc nous sommes toujours et encore en France, donc toujours à Cergy. Donc Cergy dans la région de Val d'Oise. Ici nous avons l'axe majeur qui a été conçu par un sculpteur qui s'appelle Danny Caravan. Donc c'est magnifique, la vue qu'on nous propose aussi elle est magnifique. Donc il y en a 12. Donc ce sont les 12 colonnes de Cergy, donc elles sont vraiment magnifiques. Après donc on fait quelques photos et après ça on va descendre dans un petit parc qui se trouve en bas. Donc oui je sais ça fait un petit peu peur quand on regarde comme ça, mais je suis sûre que ce sera super joli. Donc vraiment c'est magnifique, je vais en profiter pour faire quelques photos Instagram. Ici nous avons aussi tout devant, ce sont les étangs de Neuville, et à l'arrière ce que vous voyez en fond du paysage, c'est vraiment le quartier des affaires. Donc c'est là où ils font plein d'affaires, etc. Et voilà. Et ici derrière aussi, j'ai failli oublier, là il y a plein de bâtiments qui sont formés en cercle. Et il y a pas mal de films qui ont été réalisés de ce côté-là, et même du côté là où il y a des étangs, donc comme je vous l'ai dit là tout à l'heure. Donc on descend 300 marches. Oh là là. Je suis à 130 moi. Donc là nous sommes occupés à terminer la descente des 300 marches. Donc j'espère que vous allez liker la vidéo. Je suis essoufflée. Donc voilà, on continue le chemin. Sans se faire écraser. Une magnifique pyramide. Donc je vais vous lire le petit article qui a été réalisé à base de cette pyramide. Donc elle est bâtie sur l'eau à proximité de l'île astronomique. La pyramide est conçue de telle sorte que le soleil et le vent y jouent en permanence et son et lumière naturelle. La pyramide n'est accessible qu'en bateau, l'intérieur est navigable. Les oiseaux migrateurs ou sédentaires en ont fait un de leurs perchoirs préférés. Donc il y a beaucoup d'oiseaux qui y vont souvent. Et on peut y accéder en bateau. Voilà, on continue la suite de la petite ici. Ici, nous sommes à la gare de Cergy, Saint-Christophe. Voilà, donc regardez la jolie horloge. Elle est magnifique, l'horloge. Voilà. Il tourne en plus, hein. Il y a c'est pas une fausse. Une petite fontaine, on va aller faire trempette, même si vous voyez, on est déjà un petit peu mouillé. C'est de la faute de Mag, elle nous a trempé. Oui, on vient. Thank you.
sommes à la gare de Cergy-Saint-Christophe. Ici, nous pouvons voir au loin une jolie fresque avec plein de monuments de Cergy. Donc, 4 monuments de Cergy qui ont été représentés. Donc, cette dame représente Cergy. Il y a le monument, donc le pont où on est passé dessus, là, que vous pouvez voir autour de la dame. On a l'horloge au-dessus. On a les 12 colonnes qu'il y a dans sa main. Et autour, on a le bâtiment de la préfecture en mauve. Donc, voilà, elle est vraiment magnifique. Donc, elle représente tout Cergy. Allez, on continue. On va faire une petite photo. Alors les amis, ici nous sommes à la tour Belvédère. Donc je vous explique un petit peu les informations qu'il y a dessus. Donc elle mesure 36 mètres de haut et 3,60 mètres de large. Elle est légèrement inclinée de 3 degrés en direction de l'axe majeur dont elle est l'origine. Oui, effectivement, elle est légèrement inclinée de 3 degrés, c'est vrai. À l'intérieur, un escalier en hélice effectue 12 rotations. Un percement sur chacun des paliers, presque invisible de l'extérieur, permet d'observer l'évolution du paysage au cours de la montée. On va voir ça de plus près. Moi, pas comprendre. J'arrive. Moi, devoir parler autre langue. Donc ici, nous sommes devant l'hôtel Campanile, donc c'est l'hôtel qu'on a choisi pour loger. Il n'y avait malheureusement plus de place dans les autres hôtels, donc c'est le seul qui restait. Donc on a logé une journée ici, on va voir maintenant un autre hôtel pour un peu changer, voir un peu découvrir les autres hôtels. Donc voilà. Et donc on s'est garé juste derrière le champ, donc on va se diriger tout de suite vers le champ. Donc là, je m'avance vers ma chambre d'hôtel. Donc le numéro 14. Ici, j'ai reçu une petite carte. Donc j'insère la carte. Voilà, ça se déverrouille. Et là, je rentre. Donc ici, nous avons les deux lits. Voilà, ce qu'il n'y a plus de normal. Voilà, donc la télévision Philips. La poubelle, bon ça... C'est normal, la bouloire avec une chaise, donc là les deux lampes, le radiateur, encore une lampe. Ici nous avons une armoire avec des étagères pour poser nos vêtements. Donc là nous rentrons, je suppose que c'est la salle de bain. Voilà, donc ici nous avons la douche qui sert aussi de bain. Assez bien. C'est assez joli aussi. J'aime bien le modèle. Comment il est ? Donc là, nous avons le miroir. Ici, nous avons le lavabo, les toilettes, le sèche-cheveux. Voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires pour me dire si vous êtes déjà venu à Cergy, la ville de Cergy, si vous êtes déjà venu ici même à l'axe majeur de Cergy-Pontoise. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, à activer la petite cloche, à partager cette vidéo, à mettre des commentaires. J'espère que ce mini vlog, cette petite découverte d'un endroit magnifique vous aura plu. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !